Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Hauss sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler des frelons sauvages, une minuscule unité qui utilise des drones pour briser les armures et nettoyer les tranchées en Ukraine. En effet, cette équipe de dronistes a une tâche apparemment impossible à accomplir. Stationnés dans le sud de l'Ukraine, dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne, ils doivent trouver un moyen de nettoyer un réseau de tranchées russes, occupé par un ennemi bien retranché, qui dispose à la fois de plus de troupes et de plus d'équipements blindés. Mais ce que les Russes n'ont pas, ce sont les frelons sauvages. Des drones rapides, et très maniable, assemblés à la main par des volontaires ukrainiens qui sont uniquement capables de jouer un rôle de kamikaze en tant que missile guidé, micro-bombardier, larguant des munitions ou pour faire de la reconnaissance aérienne. L'unité de Milkyallo met ses dix frelons sauvages en mode largage de bombes et se met au travail dans un relais de destruction ininterrompu. son équipe utilise les drones pour cibler avec précision les tranchées et les blindés russes, reculer pour recharger, puis revenir rapidement pour faire pleuvoir pour plus de dégâts. Alors la tempête incessante d'attaques ponctuelles et de pertes croissantes force l'ennemi assiégé à une retraite désordonnée. Avec les frelons sauvages et les troupes ukrainiennes à leurs trousses, les Russes sont obligés de céder du terrain pour le reste de la journée. À la tombée de la nuit, l'unité ukrainienne a avancé de 3 km. Alors c'est une arme très rentable et précise, déclare Michaelo, depuis une position de première ligne dans un enregistrement pour répondre aux questions. Nous avons moins d'armes. Et moins d'artillerie que l'ennemi. Nous avons donc dû penser à quelque chose pour compenser cela, qui coûte beaucoup moins cher que les munitions d'artillerie. Il s'agit en fait compte du drone de Will Hornet, répond à ce besoin, remarque-t-il. L'unité de Mikelo fait partie d'une liste en croissance rapide des brigades et formations ukrainiennes les plus célèbres et les plus craques qui utilisent des frelons sauvages dans la contre-offensive et d'autres secteurs actifs du front. Cela comprend les opérateurs ukrainiens du renseignement militaire, HUR, la brigade présidentielle séparée, la 3e brigade d'assaut séparée, la 24e brigade mécanisée séparée et le 120e bataillon de reconnaissance séparée. De la taille d'un chaton, chaque Wheel Hornet peut transporter une charge utile de 2 kg, comme une fusée anti-char par exemple. C'est 4 fois plus de capacité de charge que le Mavic 3, le drone le plus couramment utilisé par les forces ukrainiennes, et qui ne peut transporter lui que 500 grammes, le poids d'une grenade à main. Le Wheel Hornet coûte également une fraction de prix. 400 dollars contre 2000 dollars à 3000 dollars pour un Mavic, vole 5 fois plus vite, 150 km/h contre 30 km/h, et peut être personnalisé pour fonctionner avec une variété de distances, capacités de charge utile et des fréquences de signal selon les besoins d'une unité. Un Mavic, en comparaison, est préassemblé par un fabricant chinois, DJI, et ne peut pas être utilisé dans un rôle de kamikaze. Autre différence clé, les frelons sauvages n'utilisent pas le GPS, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à retracer pour localiser et cibler l'opérateur. Ils peuvent également opérer à des fréquences difficiles à brouiller pour les Russes avec des systèmes de guerre électronique. L'idée du drone est venue par Dimitro Prodianiuk. Euh, développeur de sites web et bénévole de l'association caritative bénévole basée à Kiev, Sudboda, Ukraine, Liberté d'Ukraine. Euh, il dit qu'un ami de la brigade présidentielle séparée euh, d'élite ukrainienne lui a demandé en février si les volontaires pouvaient fournir des drones à vue euh, en FPV à utiliser dans un rôle de kamikaze, c'est-à-dire comme bombe guidée, des drones FPV super rapides et maniables conçus pour les courses de drones sur des parcours sinueux sont pilotés comme des contrôleurs manuels et un casque qui affiche le flux vidéo en direct sur le nez de la personne. Alors il n'avait pas beaucoup de connaissances préalables sur les drones FPV, mais il a dit à son ami qu'il les examinerait. Il a rapidement vu le potentiel militaire et il a procédé, euh, proposé de concevoir un drone kamikaze qui pourrait également larguer des bombes et faire des reconnaissances, une capacité multi-role que peu de drones possèdent. J'ai réalisé tout de suite que je devais mettre un maximum d'efforts là-dedans dit-il dans une interview alors qu'il était en route pour livrer 20 frelons sauvages au front, ainsi qu'une camionnette achetée avec des dons de Sloboda Ukraine. La brigade s'est immédiatement intéressée à un tel drone FPV polyvalent et a envoyé des opérateurs de drones se former au nouveau système. Il a donc abandonné tous les autres travaux bénévoles pour se concentrer sur le nouveau projet avec d'autres bénévoles dont plusieurs ingénieurs. Ils se sont mis à collecter des fonds pour construire un premier lot de drones. Les sorties ont été un succès immédiat auprès des troupes qui ont envoyé des vidéos de frelons sauvages s'écrasant sur des chars ennemis et d'autres équipements militaires. Il nous appelait pour nous remercier d'avoir permis aux opérateurs de drones de sauver la vie des soldats et il voulait que nous envoyions davantage, se souvient-il. Il avait besoin d'argent pour construire plus de drones, ce qui l'a amené à demander l'aide de différents médias pour collecter des fonds, comme censor.net, le site d'information dirigé par le célèbre journaliste militaire ukrainien et militant anti-corruption. Yuri Bousdanov. Au début, nous avons regardé cela avec scepticisme, parce que nous avons vu que Dimitrov n'avait pas beaucoup d'expérience dans la fabrication de ces types de drones, explique Yuri Yukisruk, rédacteur en chef économique chez Sensor.net, dans une interview. Mais nous avons confirmé sa crédibilité et parlé aux soldats qui utilisent les drones. Nous avons été impressionnés. Maintenant, nous aidons systématiquement. Le site d'information a organisé une collecte de fonds au printemps pour 1,7 million de dollars, 46 000 dollars pour plus de 100 frelons sauvages, et a lancé une deuxième campagne fin juin pour élever un autre 1 million soit euh, 27 000 dollars. Au-delà de 400 000, soit 11 000 dollars, ont été donnés en moins d'une semaine. Avec euh, des demandes de collecte de fonds de nombreux groupes de bénévoles et une variété de drones potentiels à soutenir, euh, notre concepteur dit que Sensor.net a décidé de soutenir Will Hornet. En raison de leur fonctionnalité multirole, de leur faible coût, de leur personnalisation, de leur résistance au brouillage et à la géolocalisation des signaux et de leur performance supérieure. Il s'agit d'une nouvelle technologie révolutionnaire développée par les Ukrainiens. Les drones sont rapides, très maniables et presque impossibles à abattre pour l'ennemi. Ils sauvent la vie des soldats ukrainiens. Il y a un retour colossal si euh, vous pouvez détruire un char de 1 à 2 millions de dollars avec un drone qui coûte 400 dollars. Offrant un autre avantage clé, les Widornet sont fabriqués en Ukraine avec des composants faciles à obtenir et ils ne sont pas aussi vulnérables aux problèmes d'approvisionnement que les Mavic qui peuvent être bloqués par les goulots d'étranglement aux frontières et les tentatives du fabricant chinois de restreindre les ventes à l'Ukraine. Le ministère ukrainien de la Défense a promis que 20 millions de dollars euh, en janvier pour acheter euh, des drones, mais de nombreux, sinon la plupart, des drones utilisés par les troupes ukrainiennes sont toujours achetés grâce aux dons des Ukrainiens et de leurs partisans du monde entier. Un opérateur de drones de la première brigade de chars ukrainienne combattant à Zaboridja. A déclaré au Guardian en juin que les membres de son unité dépensaient jusqu'à 70% de leur salaire pour acheter des drones. En effet, les besoins dépassent de loin l'offre. Les forces ukrainiennes perdent 300 à 500 drones par jour au combat, principalement en raison de la guerre électronique russe. Alors que la rumeur se répand sur les frelons sauvages résistants à l'EW, la demande du front explose et son équipe de cinq volontaires ne peut pas suivre. Ils fournissent désormais cinq brigades ukrainiennes et d'autres unités travaillant 24 heures sur 24 pour assembler à la main 100 à 150 drones par mois avec des plans pour augmenter le volume de production jusqu'à 400. Et lancer plus de collecte de fonds. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup à la fois. Nous avons besoin de milliers, dit-il. Nos principaux problèmes sont que nous avons besoin de plus de fonds et de plus de personnes pour fabriquer plus de drones. L'équipe améliore continuellement les drones en fonction des commentaires des troupes de première ligne et développe actuellement de nouveaux modèles pour euh, pouvoir transporter une charge utile de 5 kg et fonctionner la nuit. Nous réfléchissons comment, constamment à la façon de les améliorer et les nouvelles façons de les utiliser pour vaincre l'ennemi, révèle-t-il. Nous transformons chaque don en envahisseur détruit, ce qui sauve la vie de notre peuple. Alors ils sont beaucoup moins chers et plus efficaces que les mortiers de l'artillerie. De retour au front, euh, il attend avec impatience l'arrivée de plus de drones. Comparé aux mortiers ou à l'artillerie, il préfère les frelons sauvages. La précision d'un tir de mortier est limitée et fortement affectée par la distance. Les conditions météorologiques et le vent, dit-il notant... Qu'un obus de mortier peut coûter entre 1500 et 2000 dollars. À la différence de 5 km, il est très difficile pour un mortier de frapper une ligne de tranchée étroite pour cibler le personnel ennemi. Avec un drone FPV, nous pouvons guider la munition précisément vers la cible, puisque presque jusqu'à la dernière seconde. C'est beaucoup moins cher et plus efficace qu'un mortier. La comparaison n'est même pas proche. Je ne le comparerai même pas à l'artillerie lourde. La comparaison y est encore plus en faveur des drones FPV. Et si nous utilisons le Widornet pour larguer une munition, nous pouvons l'utiliser 10 à 15 fois. Cela signifie que le coût euh, diminue encore de plusieurs fois. Et c'est pourquoi c'est une bonne arme. Les dons pour les frelons sauvages peuvent être envoyés au groupe de bénévoles ukrainiens à Ukraini via euh, PayPal à cette adresse email donate soboda-ukraini.com. Alors, ce drone, le Widornet, il est devenu indispensable à la contre-offensive de l'Ukraine face à la Russie. C'est donc euh, on vous en a parlé des drones euh, non pas en carton ou presque qui sont utilisés par l'armée ukrainienne, représentation parfaite des enjeux euh, de la guerre dite low cost. Mais la contre-offensive de l'Ukraine initiée depuis plusieurs semaines à un nouveau héros, on vous en a parlé précédemment, le Winner net ou Frelon sauvage, à ne pas confondre avec son petit cousin le Black Hornet qui fait partie du nouveau paquet d'aide militaire annoncé mercredi 12 juillet par la Norvège. Alors, le Cliff Post rapporte la place capitale prise par les Widornet, ces drones rapides, peu chers et multifonctions. En lançant sa contre-offensive, l'armée ukrainienne est vite tombée sur un os. Comment déloger les troupes russes, plus nombreuses, mieux équipées et solidement installées dans les tranchées la réponse pouvait venir des Widornets, ces drones assemblés à la main par des volontaires ukrainiens, servent à la fois de kamikazes téléguidés, de mini bombardiers et d'éclaireurs. Le balai incessant sur la ligne de front permet de semer le chaos parmi les troupes russes. Il faut dire que les caractéristiques du Widornet parlent de lui. Il est petit, il peut transporter jusqu'à 2 kg de charge, soit le poids d'une roquette anti-tank. C'est 4 fois plus que le DJI Mavic 3, les drones les plus utilisés par l'armée ukrainienne, qui ne peuvent transporter que l'équivalent d'une grenade à main. Son coût de production est de 400 dollars, nous l'avons vu, environ 360 euros contre 2000 à 3000 dollars, 1800 à 2700 euros pour le Mavic 3. Il vole 5 fois plus vite, 150 km/h contre 30 km/h et présente l'avantage d'être customisable selon la mission, ce qui est beaucoup plus compliqué avec le Mavic 3 arrivant assemblé tout droit de Chine des usines DJI. Enfin, le Widornet ont l'avantage de ne pas utiliser de système GPS, comme on l'a vu, ce qui les rend intraçables par les soldats russes qui souhaiteraient remonter jusqu'à leur piste. Bref on n'est pas loin de l'outil parfait. Seul petit bémol, puisqu'il en faut bien un, la demande est devenue trop importante pour le développeur web et inventeur de WinnerNet, lui et sa petite équipe de 5 volontaires n'arrivent plus à suivre et ce, malgré d'importantes levées de fonds. La production atteint 150 drones par mois et il espère très vite passer à 400, précisant cependant que les besoins actuels se comptent plusieurs en dizaines de milliers. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez mieux compris les enjeux de ces drones FPV dans la guerre en Ukraine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Fidèlement, Jean-Luc Au, oh, à bientôt.